إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. La Libye est une très ancienne terre d'islam, possession des chrétiens byzantins à l'époque de la révélation coranique. Elle passe aux musulmans sous le calife Omar ibn al-Khattab. Les armées islamiques conquièrent facilement la Cyrénaïque, l'est du territoire, dans les années 640. Toutes les régions sont progressivement contrôlées, sous le commandement du général Amr ibn al-As et Abdullah ibn Sa'd. À partir du milieu du XVIe siècle, la Libye est une province de l'Empire ottoman. C'est dans la région de Tobrouk en 1862 que naît un homme qui va être un des plus grands héros de l'histoire islamique, Omar al-Mukhtar. Frappé précocement par les épreuves de la vie, il devient orphelin et plonge dans la précarité. Il est recueilli par un éminent savant de la confrérie des Sénoussis, un mouvement islamique, social et politique influent à travers tout le Sahara. Omar reçoit une formation spirituelle, manuelle et militaire durant 8 ans à l'oasis de Jarboub, bastion de l'ordre Sénoussi. Omar se distingue vite par son amour du Coran, qu'il enseigne avec ardeur aux enfants des villages. D'un raffinement et d'une virilité islamique incontestables, il devient une autorité reconnue. À la fin du XIXe siècle, le mouvement Sénoussi est une place forte islamique face à la colonisation occidentale du Sahara. Au nom des droits de l'homme et des valeurs républicaines, la France impérialiste met la main sur le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Les Anglais s'emparent quant à eux de l'Égypte et du Soudan, où ils répriment les résistances musulmanes. La Libye est donc la dernière terre ottomane de la région. En 1899, Omar est envoyé au Tchad avec des troupes tribales pour combattre aux côtés du pouvoir local. Il y guerroie avec férocité contre l'armée française, qui mène une prétendue mission de civilisation. Rappelé ensuite en Libye, il enseigne et prêche l'islam. Mais l'horizon s'obscurcit à nouveau sur le territoire. 1911. En Italie, le pouvoir ne veut surtout pas être distancé sur le plan colonial par la France et la Grande-Bretagne. La Libye, qu'elle convoite depuis plus de 30 ans, est la cible idéale. La marine royale italienne débarque sur les côtes de Tripoli. La ville est bombardée, tout comme Benghazi. Les Italiens deviennent les maîtres des lieux. Les soldats ottomans se retirent de la ville avant d'évacuer quelques mois plus tard le territoire. La confrérie Sénoussi appelle en urgence au djihad contre le colonisateur. Omar Sheikh al-Mujahideen, leader des combattants, se trouve vite à la tête d'un millier d'hommes de sa province. Il remporte des premières victoires. Dès le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les insurgés Sénoussi s'allient aux Ottomans contre leurs adversaires italiens et leurs alliés, français et anglais. Omar al-Mukhtar multiplie d'ailleurs les raids contre les soldats britanniques positionnés en Égypte. Mais en 1917,
le chef de la confrérie Idriss à Senoussi signe un traité de paix avec les Anglais. Les Italiens lui proposent de l'argent et du pouvoir en échange de la reconnaissance du protectorat sur le pays et de la fin de la rébellion. Idriss est tenté, au contraire de Omar, musulman intransigeant. À Rome, en 1922, le fasciste Benito Mussolini a pris le pouvoir. Se rêvant en nouveau Jules César à la tête d'un vaste empire méditerranéen, il promet l'enfer aux Libyens révoltés. Of the artisans of Italy. L'artigianato che documenterà il mondo. Le chef Idriss se réfugie en Égypte. Omar al-Mokhtar et les résistants sont désormais seuls face aux descendants des Romains. L'imam forme un commandement militaire unifié et rallie les tribus dont il apaise les tensions. Il collecte l'impôt pour la guerre, organise le ravitaillement via l'Égypte et recrute des moudjahidines. Dans une guerre totalement asymétrique, les Italiens reprennent la Cyrénaïque. Mais ils échouent dans la conquête du Djebel Ardar, le bastion montagnard de Omar, qu'il connaît mieux que personne. Il mène des troupes mobiles et enchaîne les attaques furtives contre les Italiens, avant de plonger dans les montagnes. Les sabotages des voies de transport et de communication sont un calvaire pour les colonisateurs. Allah subhanahu wa ta'ala fait certes alterner les jours bons et mauvais parmi les gens, et les victoires et les défaites se chevauchent. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Le pouvoir italien se radicalise à l'égard de toute la population. Le désert de Sirte est occupé par les troupes coloniales grâce à l'usage massif de l'aviation, qui coupe les liaisons entre les rebelles des diverses régions du pays. Les hommes de Mussolini tentent alors de corrompre Omar, qui décline immédiatement, alors que d'autres cadres Senoussi sont tentés de céder. La chasse à l'homme est lancée. Mussolini décide la déportation intégrale de la population du Djebel Ardar vers des camps de concentration sur la côte. Il ferme la frontière égyptienne et les chars et les avions patrouillent 24 heures sur 24. Les Italiens se déchaînent. Le gaz chimique est répandu sur les villages. Les prisonniers sont exécutés et torturés avec un rare sadisme. Les femmes musulmanes sont violées et dévoilées. Des milliers de musulmans meurent en martyrs. Les mosquées sont fermées et des enfants kidnappés et amenés à Rome pour y être convertis au christianisme. S'appuyant sur des traîtres, les Italiens prennent le dessus. L'épicentre de la rébellion, la ville de Koufra, est sous leur contrôle. En septembre 1931, Omar al-Mokhtar tombe dans une embuscade italienne. Blessé et menotté, il est amené au général Graziani. On lui propose l'amnistie en échange de sa soumission. Alors âgé de presque 70 ans, l'imam préfère la mort au déshonneur. Graziani engage le dialogue. Pourquoi combattez-vous le gouvernement italien ? Pour défendre ma religion et ma patrie. Vous avez violé notre terre. Le combat nous a été prescrit. Et seul Allah peut accorder la victoire. Impressionné, Graziani reconnaîtra.
il était doué d'une intelligence rare, d'une grande science religieuse, énergique et impétueux, désintéressé et intransigeant. Le guerrier musulman force aussi le respect de ses geôliers par sa piété et sa sérénité. Condamné à mort à la suite d'un procès truqué, il déclare « Le jugement n'appartient qu'à Allah. Ce n'est pas votre jugement hypocrite. C'est à Allah que nous appartenons, et c'est à lui que nous retournerons. » Plusieurs milliers de Libyens et de ses partisans, qui sont prisonniers dans le camp où se déroulera l'exécution, observent silencieusement l'imam. Sous un soleil de plomb, Omar al-Mokhtar est mené à la potence. Il récite le Coran. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Il lève alors l'index. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.